Salut tout le monde, c'est Cheryl. On se retrouve donc pour la reprise des let's play que j'avais mis en pause durant la période de l'été. Donc on se retrouve sur la suite de The Long Dark. Je vous mettrai le let's play complet à la fin depuis le début, le tout premier épisode. Donc on avait trouvé la centrale. Dans la centrale, on doit rétablir le courant. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Alors la centrale, on nous a ordonné d'aller à la vieille centrale et de trouver un moyen pour rétablir le courant dans le quartier d'isolement. Allez à la centrale, suivez les lignes, ça c'est fait. On a trouvé la centrale, pas sans mal. On a d'autres objectifs à faire. On verra ça. On a des risques d'entorse. Alors, un objectif, rappelez-vous, dans le dernier épisode qu'on avait fait, on n'avait pas trouvé le deuxième électricien. On doit aussi aller chercher l'électricien perdu qui est là. Le coffre qui est ici sur les rumeurs de BlackRock. Et ici, on a le loup évidemment. Mais bon, chaque chose en son temps. On ne pourra pas tout faire là. Donc déjà, on va essayer de réparer la centrale. Alors, un téléphone. Only when they ask nicely. You know you won't be able to get the power back on, right? The issues with the power have nothing to do with the power plant. Yes, I know. I mean, how are you so sure? Trust me. I just know. Trust you? Okay, trust goes both ways. What's your name? You can call me Chase. Okay. Nice to meet you, Jace. So what are we doing here, exactly? Well, I don't know about you, but I'm not here to work on my tan. How do you fit into all this, Jace? Are you in trouble? That psycho Donner makes it out of solitary, and we're all in trouble, Mac. Well, it's better than Mr. McKenzie, I guess. Listen, you want to know what's going on with the power and all that? I can tell you. But first, where are you right now? That's not important. How did you end up at BlackRock? Car broke down when the first Aurora appeared. Well, not so much broke down, it's just stopped working. Like most things. It was freezing, so I got out and started walking down the road to see if I might find someone else. Or maybe some shelter. I turned around in the darkness and snow. Everything looked pretty much the same. Wandered for hours. Nearly froze to death. Then, I found a fence. Followed it, and found a guard tower. Next thing I knew, I heard gunshots. It was horrible. The shots were, there were so many. I waited half an hour, longer, crept up, and I could see them slumped against the wall. Blood everywhere. It was guards, prison workers, civilians, innocents. They had executed them. I had to get out, but I know the area a bit. There's nowhere to go, really. Not on foot. I don't know if anyone's coming to help, but I figure I gotta do what I can to keep those fuckers locked up. Donner, he is evil. If he gets out, nobody within 100 clicks of this place will be safe. And if this thing lasts as long as I think it will, that would be very, very bad for all of us. What do you mean, if this lasts as long as you think it will? Do you know something about what's going on? Never mind. I just know stuff, okay? Or suspect it. Sounds like you think it's more than just lights in the sky.
it's not more than lights in the sky. And yet, it is. That's pretty cryptic. Let's stay focused on BlackRock, okay? What's the situation with Donner? I guess you don't follow the news much, huh? Donner's a psychopath. They have a law about something, this guy's broken it. I hear his old man Mathis isn't much better. But Donner is a once-in-a-generation criminal. Yeah. I can confirm that Mathis is not Father of the Year material. Wait, you know him? He's how I ended up here. It's a long story, but yeah. He's here to break Donner out. Shit. This is worse than I thought. What's the worst that could happen if he gets out? He gets stuck out in the wilderness and freezes to death, or gets eaten by something. Wrong. Donner gets out, he will make it his personal mission to find and hurt every living human he can get his hands on between BlackRock and the mainland, just for shits and giggles. You worried about anyone in particular? Never mind that. We gotta keep him in lockdown. That's the only thing that matters right now. Okay, so how are we gonna make sure he stays in solitary? Trust. That's how we're going to keep him in. You want to prove you're trustworthy? I mean, I want to help, yeah. What's in it for you? I don't much like Mathis. And he's got something I need. What is it? A metal case. What's in it? I'm not really sure. Hey, trust goes both ways, right? I'm not hiding anything from you. I really don't know. So then, just leave. Get out of here. Leave BlackRock and let the chips fall where they may. I can't. I need it. If you don't know what's inside the case, how do you know you need it? It's important to someone who's important to me. They were ready to die for it. So I need to get it back. Right. Well, maybe we can help each other. You do something for me, and I'll find a way to help you with your little problem. Deal? I feel like I'm gonna regret this, but yeah. Deal. Okay, listen up. Even with the power out, there are physical mechanisms that the convicts can manipulate to get Donner out. I mean, they are morons, but even morons get lucky sometimes. We need to fix things so they can't accidentally break them out. And how do we do that? Well, it just so happens I have the plans to this ancient thing. I mean, a lot of the original structure and prison systems are probably Victorian era. Solitary is newer. But the stuff under solitary, still old as shit. All right. How does that help us? We get underneath, and we bust up the systems that manage the locking and unlocking mechanisms. And we basically, well, we turn the gates into walls. We seize up the system, and it's so old, so heavy, it'd take a goddamn nuclear bomb to break them out. Let's hope. You don't have a nuclear bomb, do you? Steam tunnels. Steam tunnels, right. What about steam tunnels? You get into the old steam tunnels. You'll find an access door in the rock face just outside the power plant. Other side of the spillway. According to these blueprints, they lead you, more or less, right to the old locking mechanisms under solitary. More or less? Well, there are some stains on the map. And a few areas that are a little fuzzy, engineering-wise. I mean, it's old. But yeah, eventually you'll get to the locking mechanisms. Okay. And then what? You tear out or smash anything that looks remotely like a switch, fuse, panel, cable, wire, vacuum tube. You get it? Yeah, I get it. Sabotage the thing. Exactly. You do that, and Donner is locked in for good. Probably. Probably? Hey, I'm not a prison designer, okay? But yeah, as I read these blueprints, probably. Okay. Wish me luck. I mean,
going now, Jace. Hang on. What? Good luck. Well, okay. Let's find those steam tunnels. Bon, au moins on sait comment elle s'appelle maintenant. Alors, nouvel objectif, saboter le mécanisme de verrouillage. Alors, voir sur la map. Dans la centrale. On va fouiner un petit peu ici quand même, hein, parce qu'on sait jamais. Il peut y avoir des trucs. Excellent. If this is any good to eat. Faut qu'on fasse gaffe qu'il meure pas quand même de froid ou autre. Ici, il n'y a rien. Ici, au niveau des boutons, on ne peut rien faire. Alors, what have we here? Un briquet. Je l'ai pris. Ouais. Il faudra que je pense aussi à ne pas re-entrer dans la prison si on est amené à y revenir, parce que sinon ils vont tout me piquer quoi. Je peux pas descendre plus bas. Tout à l'heure, on avait le point d'exclamation d'aller à la vieille centrale, de trouver un moyen de saboter le mécanisme de verrouillage. Tout à l'heure, on avait un... On est à l'abri du froid. Remember what Jace said. Locking mechanisms. Ok, on a trouvé les tunnels. Hein. Mécanisme de verrouillage. Hein. Faut tout péter en fait. J'ai pas une lampe torche dans mon bazar. On va boire un petit coup d'eau. On va scrunch.
Ça donne envie d'y aller, hein. Surtout comme notre Mackenzie, on sait très bien qu'il n'a pas du tout de chance. Donc il va bien lui arriver une tuile. Hein. J'aurais pas dû l'éteindre, mais on n'a pas beaucoup de pétrole hein, pour. Oh oh. This stuff will come in handy. Alors. Instruction d'entretien numéro 355. Le personnel signale des pertes de pression au niveau du système de contrôle. Des cellules, notamment pour les unités d'isolement 4 à 7. Vérifiez la régulation thermique au niveau des intersections des tuyaux de vapeur et des contrôles des valves et organisez les réparations nécessaires. D'avoir froid, donc c'est bon. Il doit faire fondre la glace. Alors, est-ce qu'on peut passer? Non. La torche, je peux pas. Avec quoi? Qu'est-ce que je pourrais allumer là? Qu'est-ce qui pourrait faire fondre? Ça? Qu'est-ce que j'ai qui pourrait
Même pas. Et je peux pas faire de feu de camp. J'avais pas vu le petit bouton là. Enfin, le gros bouton. Tout est gelé. Allez, fais du feu. Cuir, je peux pas rajouter un... Ajouter du combustible. Il y en a pour une heure, donc là ça va. Niveau chaleur, on est bien. Tout est gelé. Rediriger la vapeur et j'ai pas eu le temps de venir. Rediriger la vapeur. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Rediriger la vapeur dans le bâtiment pour dégeler la porte de la salle de contrôle. Voir sur la carte. Évidemment, ça ne montre pas. Rediriger la vapeur. Alors, ça, c'est gelé. Je vais tout faire péter, moi je le sens bien. Je l'ai.
regardez les jauges pour voir la pression de la vapeur dans chaque tuyau. Et oui, mais c'est gelé, ouvert. Ah, j'avais pas vu lui. Je sais pas, j'ouvre tout. Tout faire péter, je sais pas. Ouvert. Lui est toujours gelé. Lui il est bon, il est dans le verre. Lui il n'est pas bon. Parce qu'il faut toutes les mettre dans le verre. Si je ferme celui-là, là, il a pas l'air de marcher là. Hop. Ensuite, on a celui-là. Thank you.
Donc, il doit y avoir un ordre. Réfléchissons. Là, on a la vapeur qui part bien. Oui, je peux le fermer. J'ai pas l'impression que cela donne quelque chose. Il se lance pas. Oui, maintenant il est lancé. Ça marche là. Toujours gelé. Et c'est toujours gelé. Super. Celui-là. Je l'ai.
que ça a dégelé là. Ouais. Puis il faut mettre. Hein. Celui-là est encore gelé. C'est gelé. Why are we here? Il n'a pas beaucoup avancé, hein. L'écorce, là, l'énigme. On avait vu que dans cet épisode, dans cet épisode-là, on avait vu que c'était beaucoup plus corsé que les autres épisodes. Hein. Ça peut durer 3 ans cette affaire-là. Pour l'instant, entre la fin et la... 6 hours later. Là, ça monte à fond là.
J'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose, hein. J'ai brûlé encore le pauvre. Non. L'enfer! L'enfer, l'enfer, l'enfer. J'en ai ouvert un autre là ou c'est moi qui ai rêvé? Ouvert, non? Là, c'est un casse-tête d'enfer. Ok, et ça m'a rien dégelé.
On va y arriver, on va y arriver. Hop, ça s'est dégelé. C'est pas grave, tu te brûles, tu vas pas mourir. Ouvrir. Now it's moving. C'est encore gelé. Il veut pas courir, il est crevé, mais je peux pas le faire dormir. Ah, ça s'est déverrouillé là. Faut qu'il dorme. Aïe, aïe, aïe. Oh, shit, that's hot. Mais non. Ouais, c'était... Hop. Faut que j'arrive à le faire dormir. Faut que j'arrive à tout prix à le faire dormir. You just lay down. Have a little sleep right here. Je cherche un endroit, mais hey, ils m'ont pas facilité la tâche. Tu bois un café, non? Un petit café, ça va te faire du bien, un petit café. Tu vas tenir le temps que je puisse te trouver un endroit où dormir. Non! Je n'ai pas réussi. Come on, allez. That did. On va mettre du combustible. Voilà. Retour. Cuir. T'as du kawa? Dis-moi que t'as du kawa. Il n'y a pas de café? J'ai pas de café. Ah, c'est une boîte de café. Cuir. J'ai plus d'eau potable, mais tout le jeu m'en veut. I think I can use this.
peux pas te faire dormir là, Franco. Ah si, on va pouvoir. Hop. Dormir. Ouf. Par contre, il va avoir super soif. C'est la cata, il n'y a plus d'eau. On le refait dormir, hein. 4 heures. Toujours pas? J'aurais pas levé. 2 heures, 3 heures. C'est pas possible. C'est parce que j'ai pas de lumière, peut-être. Allez, on y croit. Toc, 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 toc. Donne-moi un truc pour m'éclairer. On va allumer partout. Is it food or?
C'est joli là aussi. Là, le tunnel. Je vais peut-être aller voir un ophtalmo, hein, mais j'avais raté le tunnel. On peut pas courir quand on est accroupi. Allez, Mackenzie, on croit en toi. Malgré tous les malheurs qui t'est arrivé, tu peux t'en sortir. On y croit. Parce que là, tu peux te relever, oui. Histoire de courir un peu. Oh, une porte, alléluia. Là, il y a des trucs. Marteau trop lourd. Oh non, maintenant il y a un cadenas. Mais je suis bête. On avait une porte où il nous a dit à un moment c'est là où je dois aller. Est-ce que ça serait pas là qu'il faut retourner? Mais alors c'est pas gagné quoi. Honnêtement, de tous les épisodes du 1 jusqu'ici, je pense que c'est le plus dur. Bon, l'ours m'avait bien fait galérer, on avait bien rigolé avec ça. Mais là, franchement, depuis le début de cet épisode 4 ou 5, je ne sais plus, je trouve qu'ils ont vachement corsé l'affaire. Est-ce que j'aurais raison? Je sais pas, on va voir. La porte qu'il avait dit là, du fait qu'on a débloqué les valves, est-ce qu'elle serait ouverte maintenant? Encore faut-il que je la retrouve. Aïe, aïe, le pauvre, je le brûle. La scène là, est-ce que maintenant... Yes, c'est dégelé, mais c'était ça en fait. Détruisez le mécanisme de verrouillage. Ça a marché. Ça j'avais pris. Ben, j'ai bien fait de prendre le marteau en fait. Il est violent, Mackenzie. Hein? Sauvegarde. Succès déverrouillé, just like news. Retournez à BlackRock. Ok. Map. La centrale, retournée à BlackRock. Ok. Faut-il trouver la sortie aussi, non?
Non, mais j'y vois que dalle si j'éteins la lampe, hein. Ouvrez le casier numéro 8 de BlackRock. Ouais, mais on n'est pas là, hein. Déjà, faut trouver la sortie. On peut aller où comme ça, hein? Surtout si c'est pas par là qu'il va falloir que je redescende. Ah, peut-être la clé. Alors franchement, je suis à BlackRock. Hein. En direct. Hein. Faut vraiment que je pose tout mon attirail à la tour là-bas. Pour évidemment pas qu'il me le pique, hein. Il en peut plus. Je suis en train de le tuer. On va ranger plein de trucs là-dedans pour éviter qu'ils nous les prennent. Alors, toc, 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 toc. On va tout mettre là-dedans. On fera le tri plus tard. Hein. Menton, on va éviter qu'on se fasse piquer. Le pull, on va éviter de se faire piquer. Et mes docks, hein. Tout ce qui est mes docks. Hein. Hop. On sait jamais. La lampe, la boîte à outils, tout ça, hop, et les balles. Ça, les armes. On va tout poser, hein, vraiment, parce que ça nous évitera qu'ils nous prennent des trucs. La lampe, on va la mettre là-dedans. Le bois, je pense pas. La bouffe, on sait jamais. Garder juste une boîte pour cagnotte. Ça, on va pas le laisser. On va pas le prendre, ça. On va pas le prendre, ça. On va pas le prendre. Ça, les médocs, on le laisse là-dedans. J'espère que je fais pas de conneries en faisant ça. Ça, pareil. Je pense pas qu'ils viendront nous piquer des trucs, le briquet peut-être.
couchage, enfin. Café, on va en laisser. On sait jamais avec eux, hein. Ils peuvent tout nous prendre, hein. La bouffe, tout. On va se garder. Quelques crunchs. Hein. Vêtements, on peut poser ça. Soins. On va tout mettre. L'accélérant, on va laisser là le briquet. Les allumettes, ils sont capables de nous les piquer. Hop. On va garder une boîte de 5. Le charbon. Là, je pense qu'ils nous prendront rien d'autre. Hein. Hop. Sauvegarde, très bien. Tu fais bien, Nikos. Et donc... Au niveau, qu'est-ce qu'on doit faire? Retourner à Black Rock. Clé, une clé qui ouvre le casier de la caserne des officiers de Black Rock. Ouais, on verra ça le prochain coup. Parce que là, ça a été long et périlleux, pour pas dire autre chose. Hop, hop, hop. Et donc là, je dois faire quoi? Bah, je dois retourner au... Tu veux bien me laisser rentrer? You're still alive. Shit. Looks like I lost that bet. Any luck with the job Mathis gave you? I made it to the power plant. The whole place is dead. Nothing obvious to be done to get it running again. Too bad. Mathis would be disappointed. Well, back in your cage, Doug. Oui, j'ai bien fait parce qu'il me fouille. Hein. Des heures plus tard. Hey, you awaken? Yeah, I'm here. Any luck at the power plant? If by luck you mean I managed to not get the power back up and running. Then, yeah, you could say I had some luck. You found them, didn't you? Whoever's out there messing up Mathis's plans? Not really, but I spoke to them again. Whoever they are, they really don't like Donner. Well then, we have to do whatever we can to help them. Okay, but how? Just keep doing what you're doing. We have to find a way to slow Mathis down. A little hard to do that from inside a cell. Maybe not. Quick, get back. Well, well. Look what my guys found while investigating the old parts of the prison. Someone is seriously fucking with me. Someone who clearly knows more about this prison than they should.
knew exactly what to sabotage to keep us from getting into solitary. You know anything about this, pilot? I have no idea what that is. Sure, I figured as much. Whoever did this took a big risk and went through a lot of effort. For nothing. We found another way in. A big-ass key that will unlock the door to solitary, or any other door we want. It's called dynamite. Damn it, Mathis, haven't you done enough to my prison? Shut your mouth! I'll deal with you later. Listen, pilot, it's time to get back to work. What now? Detonators. Can't do shit with this dynamite unless we find detonators. Since we found the dynamite in one of the machine sheds, the detonators should be around somewhere. Of course, we can't find them. So, I'll probably have to go a few more rounds with my friend the warden here to find out where they are. You just sit tight, and I'll tell you when I'm done. You may want to plug your ears. Now, listen, Mathis, there's no need for that. Come on, warden. Don't ruin my fun. The detonators. That dynamite is old. We kept it in storage because we didn't have a safe way to get it back to the mainland. That's a nice story. Wait, wait. But I know where you can find some. I'm listening. Old mine. In the hills, just above the prison. It was shut down suddenly for safety reasons after the quakes, but most of the gear was left up there. I bet there are some detonator caps up there. Interesting. You are the man. Get going. Yeah, Doc. Time to get back out there. Wait. Mathis, just leave him alone. I'll do it. I'll be quick. You better hurry up, pilot. I think Mathis wants to let off some steam. Wait. Mathis. Chapitre 3, les détonateurs. Eh bien, on va en rester là pour cet épisode. Ça a été alors une prise de tête. Ça a vraiment été une prise de tête. Donc, dans le prochain épisode, il faudra voir cette histoire de détonateur, de la clé. Faut se rhabiller, faut reprendre ce qu'il y a dans le placard, etc. En attendant, on reprend dans les let's play que j'avais mis en pause. Plus des découvertes, d'autres jeux, etc. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, etc. Tout blabla, un commentaire, je vous répondrai. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très vite pour la suite des let's play. Bye bye!